afin de maîtriser l'activité de ses équipes, Carla, la responsable du pôle IT, doit recevoir chaque semaine les feuilles de temps de ses collaborateurs. Cette semaine, c'est d'autant plus important, car lundi prochain, elle devra envoyer au directeur informatique le rapport mensuel d'activité de ses ressources. Carla consulte donc l'espace de suivi des temps, pour voir si ses équipes ont rempli leur compte-rendu d'activité. Mais elle constate que la plupart ne l'ont pas complété. En cliquant sur le bouton « Envoyer un rappel », une notification est envoyée automatiquement à toutes les ressources qui ne lui ont pas encore soumis leur feuille de temps. Ethan fait partie de l'équipe développement. Sur son centre de notification, il reçoit le message de Carla, lui demandant de saisir ses temps en urgence. Avec Orchestra, il dispose d'une feuille de temps unique pour saisir l'ensemble de ses activités. La saisie est simplifiée. Il importe automatiquement ses activités projet et hors projet prévus. Il a travaillé sur plusieurs projets cette semaine. Au survol, il peut visualiser le nombre de jours prévus et déjà réalisés. Mais il a également suivi une formation qui n'était pas prévue toutes les après-midi. Il rajoute donc manuellement une activité hors projet. Le bouton de saisie rapide lui permet de compléter ses heures en un clic. Il détaille le contexte de la formation pour le signaler à Carla. Une fois sa feuille de temps mise à jour, il lui envoie pour validation. À partir de son espace suivi des temps, Carla voit qu'Ethan et ses autres ressources lui ont soumis leur nouvelle feuille de temps. Pour valider les activités d'Ethan, elle accède directement à sa feuille de temps. Elle consulte le détail des temps saisis avant de les approuver ou de les rejeter. Une fois l'ensemble des comptes rendus d'activité vérifiés, Carla peut éditer en un clic le rapport d'activité complet de son équipe. Planisway Orchestra centralise et simplifie la saisie des feuilles de temps. Vous disposez ainsi d'informations fiables et à jour sur l'activité des équipes projets.